La transition socio-économique, la transition démographique que connaît notre société fait que l'âge de mariage a reculé, etc. Et fait que le désir sexuel est là. Les pratiques sexuelles existent aussi bien chez les hommes et chez les femmes et permettent aujourd'hui à de nombreuses femmes de garder ce que j'appelle aussi dans ce travail la monnaie d'échange sur le marché matrimonial, c'est-à-dire la virginité, l'hymen, tout en étant sexuellement actif ou tout en se permettant de retrouver cette monnaie d'échange sur le marché matrimonial, soit à travers la science, soit à travers le commerce, avec toutes les possibilités qui sont aujourd'hui offertes, l'hymen chinois, qui peut se vendre aujourd'hui sur Internet. Alors, pour celles qui sont intéressées, c'est à 49 $ deux hymens livrés dans une boîte anonyme à partir de l'Algérie. Ce n'est pas une question qui est récente, c'est une question qui est très ancienne. On le voit depuis très longtemps. C'est une question qui est posée, une question d'abord d'éducation sexuelle, deuxièmement une question de conditions sociales et économiques, c'est-à-dire les jeunes n'ont pas accès à des conditions normales pour avoir une sexualité épanouie. Donc, ça crée des situations de crispation, ça crée des situations de violence, et on le voit à travers l'harcèlement sexuel, à travers la violence entre les femmes, qui ne sont que le produit, le résultat de cette misère sexuelle. L'idée n'est pas de légitimer des pratiques sexuelles avant le mariage, mais de comprendre la dynamique sociale et la transition sociale que cela représente. Je voudrais juste insister sur le fait qu'il ne s'agit pas d'étudier la sexualité en tant que pratique, mais plutôt en tant que rapport identitaire, culturel, social, etc.